On vient de parler du fort d'Amber, la capitale ancienne de Jaipur, jusqu'à 1700. Mais les constructions du palais d'Amber en 16e et 17e siècle. Et quand on parle de prospection le plus ancien, ça a été encore plus. Le château le plus ancien, c'était plus. Le problème était accès. Ils n'accédaient pas facilement à des éléphants. Ils ont construit le nouveau palais le plus bas. 1727, ça a été impossible de construire des maisons en plus dans les montagnes. Et pour déplacer la capitale, ils ont changé d'ici et construit Jaipur, qui était la campagne d'Amber. Aujourd'hui, Amber est la campagne de Jaipur. Donc, la campagne d'Amber était Jaipur. La fortification des grandes murailles avec 12 km en superficie carrée, avec 25 bastions pour des gardes militaires. L'entrée principale où vous êtes venu, déclarée au nom de la porte d'éléphant, où tous les maharajas passaient et les éléphants la déposaient où vous étiez descendu. Les femmes mariées, elles avaient des mouches rabillées. Derrière des mouches rabillées, elles voyaient le premier coup d'arrivée. Et on ne voyait pas de femmes parce qu'elles gardaient des rideaux noirs derrière. Ça n'était pas clair, c'était foncé. Mais chaque palais avait le porte d'éléphant. Regardez la porte d'éléphant. Vous vous souvenez, on a fait les Haveli du Chakravarti. Et chaque fois, quand vous voyez un Haveli, ils avaient le port du Ganesh. Donc là, le port du Ganesh, regardez le port, la peinture du Ganesh, le fresque sur la façade, on dirait la porte d'Haveli. Mesdames, Messieurs, si on n'avait pas fait Haveli à ces jours-là, il fallait expliquer d'abord l'Haveli. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer l'Haveli parce qu'on vient de faire l'Haveli. Vous comprenez? Ça a été impossible d'expliquer sans parler d'Haveli. Et pourquoi on parle d'Haveli avec la comparaison d'Amber? Parce que la région de Chakravarti, à cette époque, faisait le parti d'Amber. C'est-à-dire le territoire officiel d'Amber était 265 km. Donc tous les rois ou les riches commerçants, ils étaient dans l'ombre de l'empire ou du royaume d'Amber. Donc quand on parle de salle d'audience, la partie de salle d'audience en 16e siècle, décalée, les armes décalées, ça nous ressemble le salle d'audience au fort d'Agra aussi. Agra, il est le fort, construit par l'empereur Akbar. Donc, c'est certainement l'idée de l'empereur Akbar ou des artistes qui ont travaillé dans le fort d'Agra. Ils ont travaillé dans le fort d'Amber. Donc, des artistes, ils n'étaient pas du Rajasthan, c'était des artistes aussi musulmans, hindous, des deux religions différentes et qui ont influencé l'art et l'architecture ensemble pour faire le merveille architecture. Donc on va rentrer par cette porte comme il n'y a pas de mots. Regardez, c'est inimaginable de venir cette terre incroyable. On était première à d'autres éléphants parce que le premier éléphant il part 7h et 35 de là-bas. Premier éléphant départ 7h35. 8h, il ouvre le pot. Qui est-ce qui montait les premières? Vous avez attendu devant les pots? Les pots restaient fermés. Quand ils annoncent les tambours et le
trompette, c'est l'ouverture de la porte. Et les tempêtes, les trompettes et des tambours, ils annoncent le joie. Parce qu'à l'époque, les femmes étaient à l'intérieur, ils n'avaient pas de communication. Comment on signalait aux femmes que le Maharaja gagnait la victoire? Donc, ils jouaient des tambours avec les trompettes, la joie. Mais quand ils jouaient le tambour, que le tambour, ça donnait le son du décès. Donc, c'est là, c'était une annonce du décès de la famille. Vous comprenez? C'est les instruments de musique qui jouaient le rôle des communications. Ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas un téléphone, journal. Et c'est comme ça, ils avaient toujours placé le tout là où ils ont déposé un corps de tambour. C'est là, ça résonne plus en plus. Vous avez l'impression, ça résonne comme un micro. Il n'y avait pas de micro. C'était naturel, mais c'est la tour de chaque côté ouvert où le voix résonne au niveau de la taille du plafond. Au niveau de la taille du plafond à l'intérieur, pour faire résonner la voix, et on va y rentrer et être béni le matin par l'eau, bénédiction de Béni. Une prise florale. T'as un petit escalier. Regardez le palais du roi. Avant, on rentrait à l'intérieur. S'il vous plaît. Avant, on rentrait à l'intérieur, on allait à l'intérieur. On allumait les bougies pour voir le reflet. Maintenant, pour la protection, ils ont fermé, vous voyez, les barrières. Ouais. On ne rentre plus. Mais la vue, la plus belle du palais d'ici, de cette côté-là. Mmh. Et pourquoi? Parce que vous regardez les miroirs briller. Mmh. Et ça, savez-vous, c'est pourquoi les miroirs brillent? C'est le bras. Il y a des murs qui sont recouverts de plein de petits miroirs découpés, un peu en mosaïque, tu vois. Sur le sol, et là, le soleil le mar, l'éclaire. Donc, ça fait briller les miroirs, le reflet du marbre sur les miroirs. Mmh. On pourrait presque dire que c'est argenté. C'est là où on est pas oui, oui c'est ça. Que c'est argenté, c'est des miroirs, mais ça fait comme si c'était tout argent. Le refuge contre l'eau chaleur. एक मिनट रुक जाओ पास में तू निकालता है ना साइड साइड से petit jardin, vraiment un jardin d'anglais sur les petits... Où il venait chercher le refuge contre la chaleur. En fait, le palais. Et derrière le bâtiment, c'est la montagne naturelle. Alors, l'eau qui canalisait à l'intérieur, dans le bâtiment, ils avaient le citerne d'eau, l'eau qui coulait. Mais quand l'eau coulait, il passait par les montagnes et les cascades. L'eau restait toujours fraîche. Mais l'eau qui coulait à l'intérieur venait d'où? C'était l'eau réservée dans le château d'eau, dans le forassien, qui est plus haut. Il réservait l'eau de la pluie en château d'eau au fort le plus ancien, avec le système de pression hydraulique, l'eau qui coulait et traversait la partie principale du palais, où ils avaient une petite canalisation de l'eau. L'eau qui canalisait et irriguait le jardin. Et pourquoi l'eau irriguait le jardin? Parce que le jardin, il est sur l'auteur de montagne. Il n'est pas sur une terrasse, comprenez-moi. Il n'est pas sur une terrasse, c'est le plus haut de montagnes qui n'ont pas touché.
et sur lequel ils ont planté le jardin, canalisé le jardin cardinaux. Alors, la question se demande, technique, intelligence, main d'œuvre, patience. Quand le jardin inondé, l'eau qui sortait des canaux, des petits canaux, se jetait dans le réservoir qui était l'autre côté, au-dessous de nous. En dessous de nous, un réservoir. C'est-à-dire, on est au troisième étage. Première, l'éléphant. Le deuxième, tout à l'heure. Troisième. Donc, entre deux et trois, ils gardaient le réservoir d'eau. L'eau qui canalisait et se jetait dans le réservoir. Et quand le réservoir d'eau inondé, l'eau se jetait en face dans le lac. Vous avez le lac en montant, à des fois vous avez le lac. En face dans le lac. Au milieu du lac, il gardait le jardin. Au milieu du lac, il gardait le jardin. Jardin qui poussait du safran. Ils avaient l'odeur du safran. Et l'œil comme un tapis des jardins. Le vu. Alors, l'eau du lac en bas et l'eau du château en haut, recyclée avec le système des nourriards. Il fait monter l'eau de l'étape à l'étape et ensuite réserver le château d'eau d'où l'eau coulait pour la canalisation. Et quand l'eau coulait à l'intérieur, il gardait des anneaux avec le tapis en paille. Un paille de santal qui parfumait avec le bruit et la fraîcheur. Alors, le soleil se lève par là, regardez. Mais quand le soleil tombait le matin sur le palais d'été, ça restait chaud depuis le matin. C'est pour cela que ça servait. Mais quand le soleil se relève vers le midi, ça tombait en face sur les miroirs. Mais il fallait protéger les miroirs. Pourquoi les miroirs ne tombent pas noirs? Vous savez-vous qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est là qu'ils ont commencé la technique de tisser le tapis à jeffou. Mais pas le dessin du tapis comme des Perses des autres pays. Chaque dessin était choisi à l'intérieur. Les arches, les bases, les jardins, les sculptures. Et les couleurs, rose, rouge, bleu, vert, pistache, aubergine, rose, turquoise. Et ensuite, c'était le tapis en laine, pas en soie. Et transparent niveau de pouce carré. Transparent de chaque côté. Ils voyaient le dessin devant, ils voyaient la main dessin derrière. Et ils accrochaient le tapis contre le palais. Et quand le tapis était accroché, le soleil qui tombait sur le tapis, l'eau couleur du tapis tombait sur les miroirs et le dessin du tapis tombait sur le miroir. Et ensuite, ça changeait le couleur chaque jour. 7 jours, 7 couleurs, et ça restait allumé le palais dans la journée et les bougies dans la nuit. C'est quelle vie elles avaient. C'est pour cela UNICEF il a certifié chaque tapis de Jeppo. Les fabricants qui tissent le tapis à Jeppo, les États, ils ont classé par UNICEF chaque tapis, classé, certifié par UNICEF, parce qu'ils font obligatoirement le dessin et la couleur et laine du pays, pas dehors. Et le prix, c'est qu'ils vendent, c'est comme le prix des cacahuètes. Regardez le but.
l'UNESCO que l'UNICEF. Peut-être plus l'UNESCO que l'UNICEF. Oui, c'est l'UNESCO. Et alors, à l'époque, quand les femmes se déguisaient, je n'ai pas réalisé. Oui, bah, dans ma tête, j'ai aussi tout. L'UNESCO. Les chevilles avec des cloches, les boucles d'oreilles, jusqu'à les épaules, les bracelets jusqu'à les coudes, et ils sont peints en bleu ciel, jaune pâle et bleu un petit peu plus soutenu. Mais c'est très pastel. T'en as des roses aussi. Donc, elle s'allongeait. Elle s'allongeait en chaise roulante. Elle s'allongeait en chaise roulante et les transporteurs roulaient les chaises. Et c'est pour ça, dans le four, qu'ils ne gardaient pas des escaliers à l'intérieur du palais. Ils n'avaient qu'à les rampes à descendre et à monter. Alors, ce sont des exemples de chaises roulantes, si vous regardez comment le pain s'allongeait. Je sens le mouvement qui avance de foule, alors je vois. Bah, t'as en fait un petit palaquin, quoi, avec des roues. Elle mettait les pieds au bout et puis elle s'allongeait. Ça fait comme un tout petit baldaquin sur eux. Un petit chariot d'enfant, mais un petit peu plus gros. Quoi. Remarquable. L'eau bouclée. Alors, si vous regardez à l'intérieur, on voit les dessins. Mais quand l'eau coulait, on voyait le dessin au plafond dans les miroirs. Ils avaient l'impression de poissonnage. Et alors, les anneaux. Encore, là, les anneaux. Pas pour des éventails. Pour la paille. Pour la fraîcheur. Pour crocher les balançoires. Les femmes balançaient. Et quand les femmes s'énervaient, elles avaient le pied dans l'eau fraîche. Ça calmait les femmes. Ouais, d'accord. C'est un platin. Comme un platin. Donc c'est de là, tu vois, tu as le pied, tu vois, voilà, c'est vitré. Regardez-le. Dedans, il y avait des petits chevrons ivoire et noir. Ivoire et turquoise, la porte originale. Et savez-vous, il servait le meuble en corne du bœuf. Les cornes du bœuf. Parce qu'il y a des divinités qui s'appellent Kali, la déesse des anneaux contre le maléfique. Elle dîme toujours le sacrifice du bœuf. Des guerriers sacrifient le bœuf pour chasser le magie noir. Et pour chasser le magie noir, ils servaient les cornes du bœuf dans le meuble. Les cornes du bœuf. C'est comme ça qu'il chassait le magie noir dans la maison. C'est l'ivoire. Là, c'est l'ivoire. Mais l'autre partie, c'est du corne de bœuf. Il faisait recycler les farines d'abord pour faire le mabou. Alors, pourquoi est-ce payé un magie noir? Parce que vous en avez toujours superstition. Vous avez remarqué, vous ne m'avez pas posé des questions, mais je vous dis quand même. Il y a partout, vous avez vu, des citrons et les climats accrochés. Citrons, climats accrochés devant des maisons, devant des boutiques, devant des kiosques, devant des échoppes. Il y a toujours les sept climats et un citron. Chasser le mal. Et c'est contre chasser le mal. Et tous les samedis, ils renouvellent. Mais dans le temps ancien, c'était quoi la tradition des gens quand ils partaient avec les animaux, en chariot, ils allaient dans les campagnes, dans le sable. Donc ils avaient toujours peur d'être piqués par des serpents. Donc si le serpent piquait, ils ont voulu être sûrs que c'est le serpent qui a piqué, ils mangeaient le piment. Piment. Parce que quand ils mangeaient le piment, s'ils ne sentaient pas le piment, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs et absolument piqués par le serpent. Et s'ils étaient blessés par des moustiques,
par des toutes sortes des oiseaux ou des moustiques. Là, ils prenaient le citron et nettoyaient le citron pour antibiotiques, désinfectants. C'est pour cela qu'ils les accrochaient. Mais en elle, et ensuite, la tradition est devenue une croyance. Les gens les accrochent devant des maisons. Oui, en France. En France, c'est l'ail contre les vampires. L'ail. Oui, l'ail contre l'eau. Les vampires. Suceurs de sang. Ils sucent le sang. Ouais. Les longs avec des grandes dents. Là. Lucifer. C'est chauve-souris. Les gens en France s'attendent à avoir des coups. Je vous demande faire tout la rivière. Le ciel jaune pâle, rose pâle, et puis un bleu un tout petit peu plus soutenu, mais quand même très pastel. C'est les murs, ça? C'est des vases dessinés dans les murs. Ah. Enfin, sculptés, tu vois, ils sont... En relief. Ouais. Non, ils sont pas en relief. Au contraire. Ils sont en creux, d'accord. En creux, creusé. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Comme des fioles, comme des petits vases à parfum égyptiens, avec le petit col tout fin en haut. C'est comme si ça avait été tourné là. Oui, ils sont petits. Ça, c'est petit quand même. Ah oui, oui, ça fait la taille d'une main. Ah oui, sur le mur. Et c'est par panneau. C'est très mignon. Tout très frais. Ouais, c'est très mignon. T'as une minuscule petite. Et regardez les rangs des ralentisseurs pour mettre le tapis du couloir. Avancez et soyez dans le premier cours en rentrant. Et tu arrives à la voir. Dans une cour carrée. Il y a un carré au milieu, un trou. Ouais, est-ce que c'est un bassin? Et à mon avis, parce qu'il y a comme au coin un petit banc pour t'asseoir, comme un triangle sur le côté. Est-ce que c'est une... C'est peut-être une... Pour se baigner, tu vois? Non. Je sais pas. Il va nous dire. Pour les dents, le jacuzzi. Peut-être que c'est ça aussi. Oui, le jacuzzi. Le jacuzzi du Maharaja. Les femmes qui dansent les bougies, là, dans le premier fort. Donc là, c'est une cour carrée. Le mur en face de nous, il est peint couleur saumon, avec des dessins d'arbres avec des feuilles, d'arbres avec des feuillets, des oiseaux sur les feuilles. Voilà, tu as des ouvertures en arche arabisante de nouveau. Voilà, donc ça, c'est l'étage au-dessus de nous. Et juste en haut de la cour, là, donc avant l'étage, tu as une petite frise avec des oiseaux. Alors, il y a des paons, il y a ce qui ressemble à des oies, il y a des cavaliers, des chevaux et des cavaliers dessus, il y a des éléphants, de nouveau des cavaliers. Voilà, et tu as une petite frise comme ça. Ce sont des oies, les oiseaux qui sont dessinés. Ce sont des oies. Parce qu'elles ont des cou assez longs. Et il y a un paon aussi. Il y a un paon, oui. Paon, mais j'avais reconnu paon, mais les oies, je n'étais pas très sûre. Ah, il y a un dromadaire, là, à gauche. Alors, c'est pas. Mettez-vous contre mur. De parler avec ce silence le matin. Matinon, vous voyez, c'est agréable. Hein? Dans 10 minutes ou dans 20 minutes, ça sera du monde. Les guides, ils aiment bien aussi bien reposer. Je n'ai pas une maison comme les bons endroits des hôtels. De passer du palais du 16e siècle, de 17e siècle au 16e siècle. Regardez la différence architecturale. En fait, quand on parle de construction du palais, 16e siècle d'abord, ensuite 17e siècle, si on parle de la sens, c'est extension. C'est-à-dire, dans le temps, à l'époque, c'est la partie principale qui avait l'entrée de chaque côté, la sortie de l'autre côté. Mais
Quand les palais, elles habitaient, les femmes, elles habitaient. Les femmes, elles avaient toujours le clou proche de la sortie. Des envahisseurs, ils venaient toujours devant. Et les femmes, elles avaient le temps de sortir. Quand on parle particulièrement de ces palais, 16 appartements autour. Pour les 16 femmes du Maharaja, ou on dit de douzaines de femmes. Mais quand les Maharajas, quand le Maharaja, il allait chez le femme, chez la femme, les autres femmes n'étaient pas courantes. Elles n'étaient pas au courant qu'il, était dans quelle chambre. Mais toutes les femmes le voyaient monter. Toutes les femmes le voyaient monter. Mais toutes les femmes ne connaissaient pas qu'il était où. Mais c'est que celle-là qui connaissait avec qui il dormait. Des femmes, elles avaient des jalousies. Des femmes, elles avaient des concurrences. Des femmes, elles avaient des tests de niveau compétence. Alors, chaque femme, il a voulu attirer. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient les deux sortes de mariage. Mariage officiel, quand le grand-mère du marié et grand-mère du mari choisissaient niveau l'empire officiel. Et le mariage de cadeaux. Donc, mariage de cadeaux, si la femme se séparait du mari, il fallait donner autant de cadeaux qu'elle avait mis au mariage pour le nom. Ah, elle récupère. Donc, toutes les femmes, elles ont voulu tirer le mari. Chaque femme, elles avaient le cours différent. Des activités différentes, même elles avaient cours du sexe. Les prostituées donnaient le cours aux femmes du Maharaja. Alors, les prostituées. Une femme, écoutez-moi, une femme, si elle n'était pas bien aimée par le grand-mère, s'il n'était pas bien apprécié par le grand-mère, s'il n'était pas obéissant à grand-mère, grand-mère avait le droit de la punir. Et où elle la voyait? Pour habiter dans les maisons des prostituées. Mais pas pour la prostitution, mais habiter dans la maison des prostituées. Mais prostituée n'avait pas le droit de quelqu'un d'autre. Elle venait chez Maharaja et souvent elle donnait le cours aux femmes. Et c'est comme ça, chaque femme, ils avaient toujours une infime des eunuques pour envoyer le message aux prostituées. Les prostituées transmettaient le message aux femmes et elles apprenaient et apprenaient les petits faibles du Maharaja. Alors, pardon? Elles étaient payées. Nourries, et habillées, payées, tous les niveaux, logées, tous les niveaux. Prostitution, ça veut forcément dire échange financier. Après, parce qu'il y a des danses, des danseuses, des pâtes, des marinis. Pas forcément pour enseigner aux femmes de Maharaja. Des prostituées qui dansaient. Alors, après, quand chaque femme, elle a tiré le mari, elle a voulu faire meilleur que l'autre. Donc, quand elle faisait le meilleur au lit, Maharaja était très content, très heureux. Il déclarait, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est là qu'elle réclamait des cadeaux. Je veux
je vois le terrain de campagne qui a 600 mètres, je vois le fort de campagne qui est 600 mètres, il signait, il déclarait, et la femme, elle était libre, elle dit, j'ai mon papier, j'ai mon palais maintenant, elle se quittait un jour, avec les enfants si elles avaient, elle s'installait dans le nouveau fort, et là, un nouveau empire montait. L'arbre et ses branches commençaient à sortir. Mais les enfants habitaient avec les mères. Les enfants, quand ils avaient 5, 6 ans, 7 ans, garçons, partaient pour les études dans les ashrams. Mais les filles habitaient toujours avec les mères. Les filles, la plus jeune est la fille de Marani. Elles étaient toujours la princesse. Beaucoup de monde qui s'occupait d'elle. Mais chaque femme, elles avaient activité de la journée. Tricoter, peinture, musique, tissu, tissage, écrire, lire, rigoler, comique. Vous voyez toutes sortes d'activités chaque femme elles avaient. Les femmes se lavaient, se douchaient à l'intérieur. Elles avaient toujours le sort des jacuzzis, vous voyez. Donc c'était bien jacuzzi. Chauffer l'eau à l'époque. C'est permis là, vous avez le trou, dès là vous voyez, vous avez l'eau, il y avait direct la canalisation. Comme ça, quand vous voulez chauffer l'eau, il mettait la paille dedans, ça fait chauffer l'eau. Et le savon n'existait pas. Le savon n'existait pas. Donc des femmes, elles prenaient les pétales des fleurs, roses, jasmin, frangipanier, laisser sécher au soleil. Ensuite, l'écraser, ça faisait poudre, mélanger avec curcuma, poudre du santal, sirop du limonade, faisait le pâte. Et ensuite, c'était la pâte toujours mouillée comme le galette. Et ensuite, elle se mettait sur le pot. Se laisser sécher. Et ensuite, elle se rinçait. Avec l'eau, et c'est comme ça le pot était poli. Il ne servait pas de savon. Shampoing, ça n'existait pas les shampoings. Mais chaque femme, elle a voulu garder toujours le long cheveu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'ils servaient l'huile des olives. Mais pour masser la tête, l'huile des moutardes. Pour pellicule, l'huile des moutardes. Quand elles avaient mal à la tête, massage de l'huile des moutardes. C'est chaud. Et quand elles ont voulu laver, yaourt. Yaourt, fromage blanc, avec du citron, pour laver les pellicules. Alors, donc, chaque femme, elles avaient le rôle. Les femmes s'amusaient entre elles. À l'intérieur, vous verrez, elles avaient les arches, colonnes. Derrière des colonnes, elles jouaient des cache-cache, des rideaux accrochés. Souvent, quand elles étaient en colère, elles prenaient des rideaux qui sautaient dans la palais comme James Bond. Et cours du sexe, ce n'est pas pour rigoler, j'avais dit. C'est vrai. C'est très sérieux. C'est très. Oui. C'est un vrai. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on trouve les preuves. Les femmes, elles avaient des cours. En fait, c'était toujours aux prostituées qui faisaient le posture, comme on dit. Posture, position avec quelqu'un. Artiste qui faisait la peinture. Mais artiste, il n'était pas excité. Parce qu'il avait l'œil sur le couple, mais les oreilles pour le musicien. Concentration. Les oreilles musicien, l'œil sur le couple. Pour faire la peinture et venez voir. Et mais Florence m'a filé son appareil photo du coup. Qui évoque les dessins du Kama Sutra. Donc c'est la 69e position. Savez-vous il y a la 71e aussi? Savez-vous? La 71e. C'est quelle est la 72e position, vous savez? Non. La position 69e, fait avec les deux femmes en plus.
Donc, il y a une femme à pied, jambes écartées, avec un homme à genoux à côté de lui, à côté d'elle. Mais c'est bizarre parce que c'est entre les dessins de dinde et de dromadaire et de. Tu vois, de doigts et de cavaliers. De cavaliers. Enfin, c'est. Une petite touche. Tous les appartements, c'est là où les femmes jouaient des cache-cache, des arcs, des balcons. Le plus ancien parquet. Ils avaient les toilettes de l'autre côté. Ce que je te disais, tu as des peintures saumon avec les petits arbres. Garder les élevages, des animaux. Des portes ouvertes en arche arabe. Enfin, tu vois. Et tu as une petite cursive tout autour. Vous voyez les escaliers en face, regardez. Là, vous serez dans le balcon. Allez-y, faire la belle photo, s'il va y aller. Et si les gens cherchent les toilettes, besoin de toilettes, venez avec moi. Je vais peut-être faire prévention. Ouais. Mais attends, il faut que je rentre sans la page.